It's not down upon my clay. Here's my trembling hands away. Follow me, here I go. We're doing no good washing in the river. Can no preacher man save my soul? La fête de la musique, ça se produit un peu partout dans le vignoble en ce moment, comme dans tout le pays du reste. Un exemple, à Monnières, où l'on n'a pas raté de la célébrer. Alors on est dans le village de la Bournaire et l'association des habitants de la Bournaire a voulu faire sa première fête de la musique et à cette occasion voulait faire profiter une association. Nous avons eu la chance, nous, Association Eligori, d'être choisis par l'intermédiaire d'un des membres du bureau pour bénéficier des résultats de cette première fête de la musique. Notre association Eligori a été créée il y a 3 ans. Par les cousins et les cousines de mon petit-fils qui s'appelle Elijah et qui est atteint depuis 3 ans d'une double leucémie. Donc il se bat, il a eu tous les traitements, il a eu une greffe de moelle osseuse il y a 3 ans et maintenant il se bat contre les effets secondaires de la greffe qui lui provoque une sclérodermie, c'est-à-dire que tous ses muscles se contractent et il a perdu pour l'instant l'usage de ses membres. Love that girl that died at dawn. At dawn. My eyes shall see light again, and my heart shall bleed right again. Il continue à avoir un traitement spécialisé puisqu'il est tout seul dans son cas. Il a maintenant 11 ans et demi. L'association Eligori fait des actions tous les ans, dont une tombola, un bal, pour réunir des fonds pour aider à la fois Elijah à vivre comme un enfant et aider ses parents à continuer à lutter avec lui. Tout le côté médical est pris en charge, mais tous les à côté, non. Par exemple, s'il est hospitalisé même une nuit, 2 nuits, 3 nuits, bon, quelquefois les parents peuvent dormir dans la chambre, mais quand c'est 1 mois et demi, c'est pas trop vivable. Donc un des parents reste dans la chambre avec le petit, et autrement l'autre parent peut dormir dans une chambre d'une maison créée spécialement pour les parents d'enfants à côté de l'hôpital. Donc on prend en charge, par exemple, ces nuits dans la maison. On a pris en charge l'année dernière des frais d'accueil d'Elijah dans un centre spécialisé pour personnes à mobilité réduite. On prend en charge les frais de garde d'Elijah à mi-temps puisqu'il est, il est déscolarisé depuis 3 ans. Ses parents ont pris des mi-temps, mais ils ont besoin de travailler psychologiquement pour sortir un peu du milieu de la maladie. Mais Elijah, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, est trop petit pour rester tout seul à la maison. Donc on a trouvé une maman, une dame qui le garde à mi-temps. Voilà des exemples de prise en charge que la sécurité sociale et les mutuelles ne prennent pas.
peu d'espoir quand même ? Ah oui, on a de l'espoir. On a de l'espoir parce que d'abord, c'est un enfant très courageux. Et aussi parce que, heureusement, même s'il est tout seul dans son cas à avoir les deux leucémies, oui, j'ai pas précisé qu'il avait une leucémie pour les enfants et une leucémie qui atteint normalement les adultes de plus de 50 ans. Donc, il a pu avoir les traitements et heureusement, il peut avoir un traitement adapté qui s'appelle la photophérèse actuellement. Ça fait 8 mois qu'il a ce traitement-là. Il y a un tout petit progrès. Sa peau s'est assouplie, mais son chemin est encore très long. Donc, on va l'accompagner, on tient bon moralement. Mais c'est lui le plus fort. C'est lui qui subit. Il y a des grosses douleurs, des grosses douleurs. Une première dans ce quartier de Monnières pour cette manifestation, d'ailleurs bien suivie par le public, où 3 groupes musicaux se sont distingués dans cette fête. Yes, I heard you shot your lady down. Yes, I did, I shot her. You know I call her missing with another man. Yes, I did, I shot her. You know I call her missing.